vie nanga, opimi sangai champion. Comment expliquer na libota bala ke la mabe, na bimisi moto na komi Joseph afami nanga. Motema nana moko temwen Lolinge na yo kosala makambo ebalola bambu na mitu Ngolu kalkile ya nzambe Ngolu makambo ya lola Ebo yeba santu to ganga Ozwanga ipembeni na yo Obenga na mosali na yo Yusu yanga eza ngolu Tango eh, na soso la malo bala yo. Ya ya, na sengi yo nini eh, ala luki nini eh, mikolo nyoso ya ya, ya ya na ngai eh, pa mama baluki nini eh, étudiant a sengi nini eh, na Congo to senga nini eh. Shalom, shalom, na biso nyoso, toza connecté na émission na biso. Shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Nous sommes ensemble, nous sommes là et nous sommes live. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que le travail vient de commencer. Alléluia, appelle rapidement une famille, dis-lui non, non, la femme... La femme de Dieu est en direct, la servante de Dieu des progrès est là, alléluia. Et nous disons que le diable est un menteur. Nous allons prier et recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Je bénis ton nom, tout simplement El Shaddai. Je magnifie ta puissance et ta grandeur, toi le Dieu tout-puissant et le Dieu trois fois saint. Tu règnes en ce lieu, tu règnes dans cette caméra. Tu règnes dans l'atmosphère, tu règnes dans une famille, tu règnes dans une maison. Nous te magnifions, roi des rois. Amen, amen. Impact 2016, alléluia. Et le travail au fait d'Impact 2016 vient de commencer. C'est un très grand travail qui doit se faire pendant cette année. Cette année, nous voulons que des vies soient encore touchées. Cette année, nous voulons que des ministères encore soient touchés, les serviteurs de Dieu, les familles, les jeunes, les enfants. Nous voulons que les couples puissent recevoir de la part du Seigneur, non seulement en parole, mais qu'ils puissent aussi vivre la manifestation de la présence de Dieu dans leur vie. Que ce soit réel, que ce soit palpable. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et donc ce soir, nous allons vraiment parcourir les Écritures ensemble. Il y a quelque chose dont le Seigneur est en train d'éveiller mon esprit par rapport au travail qui va se faire. Nous sommes au mois de janvier. Tu sais, pour pouvoir élever une maison, il faut pouvoir la construire. Et pour la construire, il y a des plans qu'il faut tracer, il y a des fondements qu'il faut poser, il y a des colonnes qu'il faut placer par-ci, par-là. Et donc, voilà le travail que nous allons commencer ce soir. Nous allons essayer de placer quelques fondements, quelques bases qui pourront te permettre de pouvoir évoluer avec nous durant cette année 2016. La Bible nous donne une très belle histoire dans le livre de Genèse. C'est l'histoire de Adam et de Ève, deux êtres humains à qui Dieu a donné l'opportunité de pouvoir être dans le jardin. Alléluia, le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, la Bible dit, depuis que Dieu avait dit que la lumière soit, il avait trouvé que tout ce qu'il était en train de faire était bon.
Et lorsqu'il arrive à l'homme et à la femme, il a trouvé que c'était encore très bon. Alléluia. Donc tout ce que Dieu faisait était bon. Tout ce que Dieu établissait était bon. Il dit que la lumière soit, c'était bon. La lumière fut. Il sépare la lumière, les ténèbres avec la lumière. Il place les eaux, il place les fleurs ici, les plantes là. Toutes ces choses étaient bonnes. Ce que Dieu est en train de faire prenait place, elle prenait une forme. Mais un jour, le Seigneur parle à l'homme. Et il interdit de ne pouvoir pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est une histoire que tout le monde connaît. Nous en parlons. Et si toi qui n'as jamais entendu parler de cette histoire, tu nous rattrapes, suis-moi attentivement. C'est en écoutant que tu pourras comprendre le travail qui doit se faire, comment pouvoir aussi le faire. C'est en écoutant que tu pourras maturiser la compréhension de la vision de cette année 2016. La Bible dit que l'homme et la femme ont été séduits par le serpent. Et nous sommes dans le livre de Genèse, dans le commencement. Ils ont été séduits. La femme a mangé du fruit interdit. Elle en partage aussi avec son mari, donc Adam. Et les Écritures nous disent que à cause de cela, ils se sont sentis nus devant le Seigneur. Et le Seigneur a su tout de suite que ces deux êtres, l'être qu'il avait créé à sa ressemblance et à son image, venaient de créer une inimitié, de mettre une séparation entre eux et lui. La Bible me dit, Dieu commence à parler à l'homme et il lui dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai interdit de manger? Nous sommes dans Genèse 3. Et il y a une conversation qui se passe. L'homme se justifie. La femme aussi se justifie. La femme qui dit, le serpent m'a séduit. C'est une conversation qui se passe dans le livre de Genèse 3. Alléluia. Mais il arrive que, au verset 15, Dieu dit à la femme, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il dit au serpent, il dit « Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmentais la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. » Mais il dominera sur toi. Mais il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit cela à l'homme. Il dit à cause de toi. Le sol sera maudit. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, tant que tu vivras, homme, la souffrance, tu dois suer tant que tu vivras. Et au verset 18, il dit, « Cette terre te produira des épines et des ronces. » Je pose ici. Il dit, la terre, ce sol qui doit te produire de la nourriture, va commencer à te produire des épines et va commencer à te produire des ronces. Pourtant, lorsque nous regardons comment est-ce que Dieu avait commencé à créer la terre, on ne nous a pas parlé des ronces et on ne nous avait pas parlé des épines. Je ne vois pas de ronces, je ne vois pas des épines. Tout ce que je vois, c'est du bon. Tout ce que je lis, c'est du bien. Dieu parle, il bénit l'être humain, il lui dit prospère, il lui dit multiplie, il dit sois fécond, mange de l'herbe que j'ai plantée, fais ceci, fais cela, la lumière est là, il y a de l'eau, tout était bon. Soudainement, lorsque l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu, lorsque l'homme s'éloigne de l'instruction qui lui a été donnée par Dieu, le Seigneur change son langage. Le langage de Dieu vers l'homme commence à parler des épines et commence à parler des ronces. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient.
Je voudrais me positionner, je voudrais être avec toi un peu dans la pensée de Dieu ce soir, qui parle des épines et qui parle des ronces. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la Bible me dit que la lumière fut. Donc, de ce côté-là où nous sommes en train de parler des ronces et nous sommes en train de parler des épines, c'est la première fois que ces mots existent dans la Bible, dans la Genèse. Alléluia. Alléluia. C'est la première fois que je suis en train de voir le mot épine et le mot ronce. Mais lorsque nous sommes en train de lire, je veux que tu prennes la Bible et que tu commences à lire avec moi. Lorsque tu lis le mot épine, personnellement, lorsque je lis épine, je lis ronce, je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Donc, j'aimerais sentir la douleur ou je ne sais pas quelle est la sensation que Adam a reçue lorsque Dieu lui dit « à cause de toi ». À cause de toi-même. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'à cause de toi, Adam, à cause de toi-même, ce sol qui devrait normalement te produire bénédiction tous les jours de ta vie, parce que tu as péché, parce que tu as fait ce que je t'ai demandé, je t'ai demandé de ne pas faire, à cause de cela, le sol est maudit. En d'autres termes, Dieu représente cette malédiction par des épines et par des ronces. Donc, je veux comprendre que, my God, hallelujah, je suis en train d'enseigner. Hallelujah. Les épines et les ronces ne sont pas la présentation de quelque chose de positif. Lorsque je vois les épines ici, et que je vois les ronces ici, ça change la formule de la parole de Dieu, non seulement dans sa manière de parler, mais ça change aussi l'atmosphère dans laquelle se trouve Adam et dans laquelle se trouve Ève. Et cette parole est particulièrement adressée à Adam, le chef de la famille, à Adam, l'homme qui guide, à Adam, l'homme qui doit prendre le devant. Et au fil des temps, après quelques années, nous remarquons que le mot épine, ce nom épine et ronce, continue à se répéter. Ça continue à revenir dans la Bible. Mais ces deux mots sont utilisés surtout lorsque le peuple est en train de marcher contrairement à la volonté de Dieu. Je suis juste en train de placer quelques bases et réveiller ta conscience par rapport à Impact 2016. Lorsque nous sommes en train d'évoluer, nous pouvons remarquer que même dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Osée et bien d'autre part, on nous parle des épines, même sur l'autel où on devrait offrir des sacrifices à Dieu. Des épines, il devait y monter. Des épines, il devait y sortir à cause du péché, à cause du mal, à cause de la désobéissance, à cause de la mal conduite. Le Seigneur dit, il y aura des épines. Alléluia. Maintenant, je laisse un peu l'Ancien Testament, je remonte un peu plus rapidement avec toi à cause du temps dans le Nouveau Testament. Et je me retrouve dans la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire ceci, un semeur sort pour pouvoir s'aimer. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 13. Écoute-moi vraiment attentivement et nous allons arriver au point de mon travail. Il dit un semeur sorti pour s'aimer. C'est-à-dire qu'un semeur, quelqu'un qui a l'habitude de mettre des graines dans un champ. Ce jour-là, il est sorti pour faire son travail. Et le Seigneur Jésus-Christ nous parle en parabole dans Matthieu 13. La Bible dit que lorsque cet homme s'était en train de s'aimer, il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Pendant que ça tombait le long du chemin, les oiseaux vinrent et mangèrent cela.
Il y a une autre partie, c'est-à-dire une autre catégorie qui est tombée dans des endroits pierreux. La Bible me dit, elle n'avait pas pris beaucoup de terre parce qu'elle n'avait pas, elle n'a pas pu vraiment s'enraciner. Alléluia. Mais il y a une autre partie de la sémence. Il y a une autre partie de la bénédiction. Parce que c'est-à-dire que lorsque ce serviteur ou qui que ce soit, un bon serviteur, un bon semeur, quelqu'un de bonne volonté, vient semer la parole, vient arroser, vient dégager tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est grâce, tout ce qui est restauration, tout ce qui est vie. Il est en train de le faire de bon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ici qu'il y a plusieurs catégories de terre, plusieurs catégories de cœur ou plusieurs catégories de gens qui reçoivent cette bénédiction. Mais la catégorie qui nous intéresse ce soir, dans laquelle nous voulons travailler aussi, c'est la troisième catégorie. Cette catégorie, c'est une catégorie de personnes, c'est-à-dire que c'est une catégorie où lorsque la semence tombe elle aussi parmi les épines. Nous voyons encore le mot épine revenir. Alléluia. Il dit, elle tombe parmi les épines. Les épines montèrent et les épines l'étouffèrent. Et lorsque nous sommes dans Matthieu 13 au verset 22, le Seigneur explique la parabole. Il dit ceci, « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Alléluia. Je bénis ton nom pour la parole ce soir. Seigneur, qu'à toi seul soit l'honneur et la gloire. Parle à un cœur, parle à une vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsque je viens dans l'histoire de Genèse, avant d'arriver dans l'histoire de la parabole du bon semeur, le monde n'a pas changé. La Bible dit « à cause d'un seul homme ». Le péché, la condamnation est entrée dans le monde à cause d'un seul homme. Nous savons qu'au travers de cet homme, le péché est entré dans le monde. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché n'emmène pas la vie. Le péché, la désobéissance d'Adam, la désobéissance d'Ève n'a pas produit du bon, n'a pas produit du bien. La désobéissance de ce couple n'a pas fait du bien à l'humanité. Et lorsque nous parcourons les Écritures, ça n'a pas changé. L'homme a continué à pécher. Malgré qu'après Adam, Ève, il y a eu Noé, il y a eu les Enoch et tout ça, la vie, malgré le déluge lorsqu'ils sont sortis de l'arc, le péché a continué. L'homme a continué à pécher. L'homme a continué à désobéir à Dieu. Laissons un peu la parabole du semeur. Nous pouvons remarquer au jour d'aujourd'hui que l'homme ne change toujours pas. Le péché continue à évoluer. C'est-à-dire que quelque part, si tu t'assois, est-ce que tu es vraiment en train d'obéir correctement ou totalement à la parole de Dieu? Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que Dieu parle. Il parle pour plusieurs raisons. Nous avons vu que Dieu parle pour marquer sa présence. Nous avons vu que Dieu parle pour montrer qu'il est vivant. Nous avons vu que Dieu parle pour chasser les démons. Nous avons vu que Dieu parle pour guérir. Mais il y a aussi des moments où Dieu parle pour donner des instructions. Dieu donne des instructions pour te montrer comment réussir dans la vie. Le Seigneur n'a pas un projet de malheur pour toi. Les projets de Dieu sont des projets de paix et de projets de bonheur. Le projet de Dieu pour toi, ce sont des projets de réussite, ce sont des projets de succès, ce sont des projets de gloire. Ce Dieu que nous servons, que nous continuons à invoquer, que nous n'allons jamais cesser d'invoquer, n'a pas changé. Il est le même hier, il est aujourd'hui et il le restera éternellement.
Le problème de Dieu, c'est la génération d'aujourd'hui. Le problème de Dieu, c'est le moment d'aujourd'hui. Le problème de Dieu, c'est le temps de maintenant. La génération qui est en train d'évoluer à l'instant, qui est en train de me suivre maintenant. Le problème de Dieu, c'est la génération actuelle. Chaque temps a eu son temps. Chaque temps a eu sa saison. Chaque peuple qui a marché avec le Seigneur a expérimenté Dieu selon sa capacité à cette époque-là. Chaque peuple a évolué avec l'Éternel des armées, avec le Dieu Tout-Puissant, selon sa capacité à cette époque-là. Mais nous maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous sommes dans le 21e siècle. Nous voulons aussi continuer à vivre la grâce, le bonheur, la restauration, la joie. Là où nous n'avons pas réussi hier, nous voulons réussir aujourd'hui. Là où nous n'avons pas marqué avec Jésus, nous voulons marquer en ce moment. Là où nous n'avons pas fait des exploits, nous voulons faire des exploits. Mais pour faire des exploits, il y a des conditions. Un homme qui veut construire doit calculer ses dépenses, doit calculer son terrain, doit calculer. C'est-à-dire que toute chose doit être bien ordonnée. Avant de pouvoir élever un édifice glorieux, il faut d'abord placer des fondements. Et cette année, nous sommes venus avec Impact 2016. Et dans Impact 2016, le Seigneur nous rassure la restauration. Le Seigneur nous rassure la joie. Le Seigneur nous rassure la gloire. Mais pour que toutes ces choses commencent à fonctionner dans nos vies, que ça commence à fonctionner dans ta maison, que ça commence à fonctionner dans ton foyer, que ça commence à fonctionner dans ton business, que ça commence à fonctionner dans tes affaires, que ça commence à fonctionner dans ta santé, que ça commence à fonctionner même dans l'église, que ça fonctionne même dans la communauté. Peu importe où est-ce que tu es en train de m'écouter, que nous soyons en Angleterre, que nous soyons à travers le monde, je ne sais pas, cette caméra est fixée où, mais je parle à une génération qui a besoin d'un réveil spirituel réel avec le Seigneur. Parce que cette année, c'est l'année 2016, c'est l'année du Seigneur. C'est l'année du Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons agir, mais lui, Dieu veut agir. Lui, Dieu va le faire. Il va nous soutenir, il va nous aider. Il va le faire.